Une fois de plus, le ministre de la Santé publique met du sourire aux lèvres des malades de la région de l'Est Cameroun. Nous profitons déjà pour remercier monsieur le ministre de la Santé publique. Avant-hier, nous étions en train de recevoir au niveau de l'hôpital régional un scanner et des appareils numériques de radiographie. Hier, nous avons reçu 7 pick-up et aujourd'hui, nous avons reçu et rétrocédé 7 moto-ambulances aux formations sanitaires situées dans des zones d'accès difficiles. Dotées d'un intérieur ultra confortable, ces moto-ambulances sont également bien équipées. Oui, il y a un kit de médicaments pour assurer les premiers secours. Il y a une trousse de premiers secours là-bas. Il y a une bonbonne à oxygène. Il y a cette potence. Ça veut dire que pendant qu'on transporte le patient, sa perfusion peut continuer à passer. Il y a un espace pour le patient et il y a un espace ici pour les gardes malades. Un infirmier qui assistera le malade pourra également rester là. Et ça peut prendre pratiquement 4 personnes. Ce sont donc 7 moto-ambulances destinées à cette formation sanitaire de la région du Soleil Levant qui sont rétrocédées aux utilisateurs ce jour. Nous disons vraiment grandement merci à monsieur le ministre. Vous référiez les malades comment? Nous utilisons nos motos âgées, soit même des véhicules de voisins de la ville. Mais avec l'arrivée de ces engins, nous vous promettons déjà que nous allons faire un peu plus. Ces motos-ambulances doivent être utilisées uniquement au bénéfice des patients dans les formations sanitaires et à rien d'autre. Les districts de santé de Yokadouma, Batouri, Bertoua, Garoua-Boulaï, Doumé, Abomban et Ngelmenduka sont les bénéficiaires de cette première dotation.